Le premier vol cargo entre Dubaï et Ouagadougou aura lieu le 13 janvier prochain. Une fois par semaine, les opérateurs économiques burkinabais pourront acheminer vers le Burkina plusieurs tonnes de marchandises. Cette liaison aérienne a été rendue possible grâce au partenariat entre la représentation de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina à Dubaï et la société Fast Forward. Reportage Drissa Séré. Plaque tournante du trafic mondial, Dubaï est une destination de rêve pour des millions d'opérateurs économiques et d'investisseurs du monde entier en quête de nouvelles routes commerciales et d'opportunités pour faire fructifier leurs affaires. Les opérateurs économiques et les commerçants burkinabés ne sont pas en reste de ce mouvement. Ils sont de plus en plus nombreux, les Burkinabés, à se rendre régulièrement à Dubaï pour effectuer des achats de marchandises de toute nature. C'est pour faciliter les échanges entre Dubaï et Ouagadougou que la société Shipping and Cargo, en partenariat avec Fast Forward, lance à partir du 13 janvier 2015 le premier vol Emirates Sky Cargo. Les commerçants qui rentrent à Dubaï par semaine, c'est pas moins de 250 à 300 personnes, donc c'est un grand nombre. Et les volumes, c'est pas moins de 500 000 tonnes par an, donc ça vaut le coup que les vols directs qui seront là. Les opérateurs économiques auront désormais la possibilité de faire venir des marchandises depuis la Chine, l'Inde et la Turquie via Dubaï pour une destination finale sur Ouagadougou. Délai de livraison 24 heures, vol direct Dubaï-Ouagadougou, développement de nouveaux produits, un cargo d'une capacité de 100 tonnes, autant d'avantages et d'opportunités créées grâce au partenariat initié avec la société Fast Forward. I know the traders based in Burkina had faced lot many issues, nous savons que dans le passé, les opérateurs économiques burkinabés éprouvaient de nombreuses difficultés pour importer des marchandises. Solution, nous introduisons ce service trade, nouveau you know, et direct comme une nouvelle solution pour leur permettre de gagner en temps et en argent. Si cette collaboration s'avère fructueuse, on pourrait assister très bientôt à un autre partenariat, celui de l'implantation de la compagnie Emirates Airlines. Le gouvernement encourage l'initiative et montre sa disponibilité à accompagner tous les acteurs engagés pour un développement économique du Burkina.